Bonjour, on a reçu le kit ExoISS. Ces scientifiques en herbe, élèves de CM1, découvrent les trois expérimentations d'ExoISS, conçues en collaboration entre le service éducation jeunesse du CNES et l'ESA. Expérimentations qu'ils vont mener conjointement avec l'astronaute Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Les expériences Cérès, Catalyse et Cristal. Les manipulations peuvent démarrer. Ici, on va fabriquer justement du cristal. Allez, Quentin, regarde, on vient de peser le sel. Donc, tu vas le verser doucement dans l'eau qui est en train de chauffer et tu vas remuer jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Allez, vas-y. Dans l'ISS, le cristal va avoir une croissance tout à fait homogène et on obtient un cristal qui est... C'est un cas d'école, on dirait. Alors que nous, ça va être un agrégat de tout petits morceaux. Voilà, effectivement, l'influence de la gravité sur la réalisation de notre expérience. Par petits groupes, ils vont s'impliquer dans chacune des expériences, notamment pour Cérès sur la croissance des graines. Là, c'est moutarde, radis, lentilles. C'est intéressant de savoir comment elles se débrouillent, les graines, quand on les met à l'envers. Les racines sont attirées vers notre action de la Terre, et dans l'espace, elle pousse un peu dans tous les sens. Même sentiment ici à Pierre-Paul Riquet, l'un des trois établissements à l'origine de l'expérience Cérès embarquée à bord de l'ISS. Au total, 200 lycées de l'Hexagone ont été sélectionnés pour participer aux trois expériences de la mission ExoISS. Ici, on pousse évidemment les réflexions plus loin. Laquelle on mesure, c'est qui est la plus grande, la plus petite? Je pense qu'il va falloir faire les trois. Les cinq. Vous mesurez les cinq, vous faites une moyenne et vous faites un écart à la moyenne. Notre groupe est chargé des radis et d'autres groupes sont chargés des autres plantes. Et ensuite, on fera ce travail en commun. On construira un graphe avec les différentes courbes qu'on superposera sur un même graphe pour mettre les résultats en commun. Comme pour les CM1, les lycéens comparent leurs résultats avec ceux de Thomas Pesquet grâce aux photos postées quotidiennement par l'astronaute français. Et parfois, il y a des surprises. Sur les expérimentations qu'on a faites, nous, elles se sont quand même beaucoup plus développées. Et là, on voit que en day 3, donc sur l'ISS, en troisième jour, on n'a qu'une seule des six graines qu'a pris. Ça les aide à avancer, ça leur donne une dynamique dans le travail qu'on n'a pas dans l'enseignement traditionnel, disciplinaire. Et c'est pour ça qu'ils sont en général enthousiastes et que ça se passe très bien. Et d'ailleurs, le rapport entre les élèves et les enseignants est totalement différent. Du côté du CADMOS, au CNES, qui suit de près les expériences menées à bord de l'ISS, on observe là aussi les résultats avec les mêmes yeux d'enfant. Ce qui est amusant, c'est de voir que la manip, elle fonctionne super bien, c'est-à-dire que nos graines, elles ont bien vécu, elles ont bien survécu au temps de transport, confinement, à bord, en attendant que Thomas leur apporte de l'eau, ce qui a déclenché la germination. Et ce qui est surprenant, c'est que finalement, l'hypothèse que les plantes sont perturbées par l'impesanteur, elle est vérifiée. On a des racines et des feuilles qui poussent de manière un petit peu biscornue. Donc voilà, c'est vérifié. Voilà en tout cas une aventure qui aura marqué une génération d'élèves. Un groupe Facebook a d'ailleurs été créé par le CNES pour suivre les participations au jour le jour et observer la croissance des graines de moutarde, de radis et de lentilles sur Terre et dans l'espace.